Allez, direct depuis un événement à la fête, des guides d'Argentière à Chamonix, avec les officiels, la Gerbe qui est ici, avec le maire et même un Indien qui est avec nous ici ce soir, avec les guides qui sont ici, avec le sous-préfet, avec les officiels qui sont ici, et les guides qui défilent pour l'instant devant la magnifique église d'Argentière ici, pour ce direct depuis Argentière, la fête des guides de Chamonix, qui va durer jusqu'à dimanche, avec évidemment dimanche en matinée à 15h, à 10h le matin, ce grand défilé avec le cimetière, avec la messe, avec l'ensemble. Voilà, ces guides qui sont ici, qui défilent avec les accompagnateurs aussi, accompagnatrices. On a des guides au féminin aussi, un certain nombre de guides qui sont présents ici à Argentière. Température est chaude ici sur la haute vallée de l'Arve, de votre vallée de Chamonix, avec beaucoup de chaleur aujourd'hui, avec un temps bien ensoleillé, avec beaucoup de monde, beaucoup de guides. On rappelle quelle fête, c'est 200 ans la compagnie des guides, 200 ans la compagnie des guides de Chamonix. C'est la bicentenaire de cette, c'est un très grand moment. On aura dans un instant des chants et puis on aura aussi les corps des Alpes qui sont ici. Voilà, ces guides qui sont ici. Voilà, même des guides de Valorcine avec Patrick Ancet qu'on voit ici. Et puis tous ces guides qui défilent avec voilà, des guides présents aujourd'hui sur cette ascension en direction du cimetière qui est juste là derrière. Tout à l'heure, les discours, les 200 ans de la compagnie des guides et maintenant les femmes qui sont ici, accompagnatrices ou guides qui sont présentes ici. On les voit, voilà, beaucoup de femmes, de plus en plus de femmes. On rappelle que c'est Sylviane Tavernier qui a été la première femme au guide de Chamonix. On les voit, les jeunes guides qui sont ici, on les aperçoit maintenant, les jeunes guides qui sont là. Regardez ces guides qui sont présents et les plus anciens, moins jeunes en tout cas, qui sont derrière et qui ferment la marche. Grand événement, on le rappelle, en direct sur la place du village. Merci de nous rejoindre. Vous êtes très nombreux à suivre ce moment-là. Dans un instant, on ira au cimetière. On va d'ailleurs suivre le défilé pour aller au cimetière, pour aller voir ce qui s'y passe justement. On va couper un petit peu par ici. On va se retrouver dans un tout petit moment au cimetière d'Argentière. On rappelle où on est, 1300 mètres d'altitude. Le cimetière est là-haut. Les guides vont arriver à nouveau. Et on va se retrouver avec des chants dans un instant. J'espère que la connexion va tenir. Merci de nous rejoindre pour ce grand moment de la fête des guides, le bicentenaire de la création des guides de Chamonix. Nous sommes ici à Argentière, donc Chamonix. On rappelle que la fête se poursuit, elle se poursuivra jusqu'à dimanche prochain, avec évidemment la grande fête de Chamonix qui aura lieu pendant toute la matinée de ce 15 août. Voilà les guides qui sont là-bas au cimetière avec un chant qui s'appellera le Signore del Cime, del Cime. C'est la chorale qui est présente, déjà installée ici, sur ce cimetière d'Argentière, avec bien sûr des grands noms, des grandes familles de guides qui sont ici. On les voit ici avec ces roches, effectivement, ces tombes qui ressemblent beaucoup à des montagnes ici. Et on va voir ici la compagnie dans un instant qui va arriver. Les guides qui arrivent ici, effectivement, qui sont présents ici. Et puis ce chant, cette interprétation en direct. Voilà, avec les officiels qui sont ici aujourd'hui. Et cette chorale qui va chanter dans un instant. Pardon, merci. Merci beaucoup. Voilà, cette chorale ici avec les guides photographes aussi. Ouais. On a des guides photographes. Il y a accompagnateurs. Il y a aussi des guides, voilà. Toujours en direct pour ce grand moment ici. On les voit ici. On a un Indien ici. On ne sait pas du tout quelle est son origine. On ne sait pas trop. Voilà, devant le monument à la mémoire des guides qui sont morts en montagne. Le premier d'entre eux s'appelle Michel Croix, qui est mort malheureusement en descendant le Cervin, la compagnie des guides dans un instant, Signore del Cime, le chant de la montagne, des guides présents ici. Voilà ici que le député de la circonscription, le sous-préfet, le maire de Chamonix qui est ici. Et puis on a aussi d'autres personnes, le photographe officiel qui est à mes côtés pour faire des photos, et puis les guides qui sont présents ici dans ce cimetière, ce petit cimetière d'Argentière. Beaucoup de guides sont malheureusement enterrés suite à des accidents de montagne. On voit le temps. Ici, les grands montées dominées ici avec quelques nuages. Et puis, cette petite église d'Argentière, magnifique église d'Argentière ici. Une église qui a été victime du tremblement de terre du début du siècle dernier, qui a été refaite depuis. Voilà. Dans un instant, la gerbe qui va être remise ici. Et puis, le chant des Signore del Cime, qui est le chant en hommage du Seigneur et des vierges qui sont posées sur les différents sommets, comme les Drus, le Grépon,
ici présents sur ce cimetière. Voilà, j'espère que la connexion va tenir. Les guides sont ici, les officiels sont là. On attend la remise de la gerbe. La température est assez élevée. Et on va par ça que la tenue des guides le tient chaud avec ce pantalon en drap de Bonneval et cette veste qui tient chaud aussi. Voilà, on est en direct, on rappelle, pour le bicentenaire de la création de la Compagnie des Guides, événement très particulier dans ce cimetière d'Argentière à Chamonix, en Haute-Savoie, avec un ciel qui se couvre de petits nuages de type cumulus qui vont justement monter sur les cimes. Température de 25-26 degrés ici, à 1300 mètres d'altitude, on le rappelle. Température extrêmement élevée pour la saison et surtout pour l'altitude. Voilà, dans un instant, peut-être un discours officiel avec le président des guides de Chamonix, compagnie qui date, qui fête ses 200 ans cette année, on précise bien. Tout est bon pour eux. On va écouter Il Signore del Cime par la chorale de la compagnie des guides de Chamonix, animée par Michel Minier. Bienvenue à Argentière. Nous allons rendre hommage à camarades disparus au fil des années. Et la chorale va nous interpréter Signore del Cime. Signore del Cime.